Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, l'épisode 186, un épisode spécial WordPress avec aujourd'hui un invité qui nous vient de Suisse, qui enregistre des streetcasts ou des laccasts, je sais pas comment on l'appelle parce que je t'ai écouté sur ta planche. C'est John. Bonjour. Salut à tous. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Aujourd'hui, il pleut, je peux pas aller sur le lac, alors je profite d'enregistrer, c'est bien. Ouais, alors je t'invite parce que t'es un spécialiste de WordPress en fait, tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle John, c'est déjà pas mal, j'ai 42 ans et puis je suis donc web, comment on appelle ça maintenant, il y a tout 12 000 termes, mais je dirais front-end développeur. Je travaille principalement sur WordPress depuis une dizaine d'années maintenant, donc tous les jours les mains dans WordPress. D'accord. Et alors, tiens, puisque tu as les mains dans WordPress, tu conseilles systématiquement WordPress ou il y a des moments où tu dis que WordPress n'est pas adapté? C'est assez rare. Je crois qu'il y a qu'une fois ces 3 ou 4 dernières années où j'ai monté un site où je me suis pas installé en WordPress derrière pour le faire tourner. C'était vraiment genre une page de présentation où ça devait vraiment être sommaire, avoir une photo, un texte. Mais après, j'aime bien utiliser WordPress juste pour la facilité d'adaptation et puis de l'évolution surtout. Alors, c'est une facilité pour toi ou pour tes clients? Alors, c'est une facilité, c'est vrai pour moi, beaucoup, parce que ça me permet, mais c'est tous des trucs tout bêtes, mais genre rien que de rajouter un formulaire ou de rajouter des petites options comme ça, ça prend 30 secondes sur WordPress, et puis quand tu le fais à la main, ça te prend vite du temps. Et puis pour le client, c'est aussi une facilité, une fois qu'il a compris l'admin, et puis qu'il sait écrire un billet, écrire une page, il a vraiment la main sur tout le contenu de son site, et puis il n'a pas besoin de faire appel à moi pour changer une virgule ou un texte, quoi. Alors bon, tu trouves pas que quand même par moment WordPress devient un peu lourd ou chargé ou surtout pour des clients qui un peu néophytes? C'est vrai. Ouais, j'admets que en plus même ça peut devenir un peu lourd. Et puis j'ai remarqué que aussi l'écosystème autour devient un peu embêtant. Maintenant, on trouve plus vraiment de plugins qui sont des vrais plugins gratuits, quoi. Depuis quelques années, on voit que les plugins, ils ont évolué et puis que maintenant le moindre plugin que tu cherches, eh ben t'as une petite partie gratuite, mais tu dois vite passer au payant. C'est pas extrêmement cher, mais sur le cumul, eh ben ça devient embêtant. Ouais, c'est ce que j'allais te dire parce que moi j'ai le sentiment qu'en fait mes WordPress me coûtent de plus en plus cher entre l'hébergement qui faut quand même un hébergement costaud hein, surtout quand tu ajoutes quelques plugins. Alors moi j'ai des plugins de cache, quelques plugins intéressants payants. Tu vois ce matin j'ai changé mon plugin de recette de cuisine sur mon blog et j'ai abandonné un de mes plugins payants pour un plugin gratuit mais qui a une option payante tu vois qui m'intéresse. 50 € je crois, quelque chose comme ça. Et si je fais le calcul de tous les plugins si je devais tous les acheter, je pense que allez, sur l'année, mon site, rien qu'en plugin, en hébergement, il doit me coûter plus de 300, 400 peut-être euros, tu vois, j'en sais rien. Ouais, c'est sûr que pour ça, puis c'est pas en train d'aller pour le mieux, mais après, bon, alors moi, l'avantage qu'il y a de bosser, enfin, dans une boîte, dans une agence, c'est que la plupart de ces plugins, on a des versions dites développeurs, on paye une grosse somme pour l'année, puis après, on est illimité, non. L'un dans l'autre, ça va parce que c'est réparti sur les budgets des constructions de sites, en fait. Ouais. Là, ça aide. Ouais, moi je l'ai réparti sur mes 3-4 sites. J'ai essayé d'abandonner WordPress. Je sais pas si t'as déjà fait l'expérience d'essayer de récemment, bon, tu disais sur un petit projet, mais sur des projets plus gros, de dire ah, tiens, on peut aller voir sur d'autres moteurs. J'avais fait l'expérience au tout début quand Ghost est sorti. Ouais. Ça n'a pas duré longtemps. Moi, c'était le tout début, hein. C'était vraiment compliqué. En plus, pour l'installer, les hébergeurs le supportaient pas. Et puis, c'était vraiment trop light, en fait. Mais puis, bah, moi, je reconnais que maintenant, avec mon expérience, enfin, moi, je gagne un temps fou à utiliser WordPress. Vu que je développe quasi que des thèmes sur mesure, moi, j'ai ma structure qui tourne. En fait, j'ai toujours les mêmes installations de base. Donc moi, en 15-20 minutes, j'ai installé le WordPress, il est prêt, je peux commencer à designer le thème comme j'en ai besoin. Donc je gagne un temps fou. Donc c'est vrai que j'ai tendance à me tourner vers WordPress par défaut. Il y a une question que je me posais. Tu penses que on peut être fan de aimer WordPress ou est-ce qu'on est dessus par défaut Ben, moi, ouais, comme je dis, ça fait
depuis quasi la sortie que je travaille avec. Donc là maintenant, en plus, je me suis un peu impliqué dans la communauté WordPress, dans tout ça. Donc on peut dire que je deviens fan, ouais. Ouais. Je pense qu'après, voilà, puis ben justement, moi qui suis dans cette communauté, c'est vrai que passer à autre chose, c'est presque les trahir après. Ouais, parce que tu vois, moi j'ai fait des expériences, j'ai un site en Ghost que je suis en train de fermer. Ça marche bien Ghost, mais c'est vrai que dès que tu veux ajouter une fonctionnalité ou bah t'es vite bloqué quoi, même si ça progresse très vite. J'ai fait du Jekyll, c'est pour faire du site statique. J'ai un site qui tourne en SPIP, mais il a 17 ans, tu vois, mais et bon, sans qu'il y paraisse, je trouve que SPIP est toujours plus puissant que WordPress, mais il n'y a pas la communauté autour, donc on est. Mais il me coûte beaucoup moins cher d'ailleurs à maintenir, tu vois, ce site, ce qui est marrant. Parce que les squelettes sont beaucoup plus faciles à gérer que des. Parce que bon, enfin moi je sais pas ce que t'en penses, toi t'as trop l'habitude, mais les systèmes de codage quand même de WordPress, c'est d'une espèce de bordel. Ouais, c'est vrai que pour ça, moi, je commence à avoir, ouais, j'ai l'habitude, donc j'ai mes routines, c'est sûr. Après, j'ai aussi d'autres sites, hein, avec là où je travaille. Là, on a trois shops, non, deux shops maintenant, trois shops, pardon, qui tournent sur du Magento 2, Ouais. et puis un shop qui tourne sur du PrestaShop. C'est vrai que j'ai énormément de plaisir à revenir sur WordPress parce que Magento 2, c'est un enfer. C'est vraiment beaucoup de lignes de code. C'est vraiment compliqué. Enfin, tu peux pas te démerder vraiment tout seul. Dès que tu as affaire à du code, tu es obligé d'avoir un développeur sous la main. Et puis PrestaShop, ouais, là aussi, c'est vraiment pas du plaisir, en tout cas, point de vue design, point de vue code, c'est vite compliqué. Et par rapport à du WooCommerce, comment tu positionnes PrestaShop et Ben, WooCommerce, depuis qu'ils ont été rachetés par Automattic, donc ça fait maintenant quoi, 2-3 ans, hein, qu'ils ont été rachetés par Automattic, ils font vraiment partie de l'écosystème de WordPress. J'essaye principalement de faire passer maintenant, dès que j'ai une boutique à faire, je la fais sur WooCommerce aussi. Ouais. Ouais. C'est devenu hyper solide, tu peux y aller. Enfin, avant d'arriver aux limites, il faut vraiment avoir un gros, gros shop et puis beaucoup, beaucoup d'articles. Donc, tu peux. Enfin, moi, maintenant, j'essaie vraiment de pousser les clients à aller sur du WooCommerce. C'est vrai que, bah, les clients, ils n'ont pas encore tout à fait la motivation, parce que eux, pour eux, ça a l'air du bricolage. Parce que bah, voilà, ils entendent, surtout en France, PrestaShop a une belle image, donc les gens vont se tourner sur PrestaShop par défaut. Ouais, en plus, ils se rendent pas compte, les gens, que sur tu peux monter un WooCommerce gratuit, enfin, outre l'hébergement, etc., y compris d'ailleurs les modules de paiement en tant que tu restes dans du standard, quoi. Enfin, du PayPal, du Stripe, des choses comme ça. Tu peux mettre en place du paiement sans payer le moindre plugin. Je sais pas si c'est le cas sur PrestaShop d'ailleurs, en fait. Sur la base, je pense, après les paiements, ça devient compliqué. Ouais. On Ouais. va vite. Bon, après, nous en Suisse, en plus, on a des spécificités sur les paiements. Donc, de toute façon, on doit passer par un module externe pour Ouais. accepter les cartes suisses. Mais PrestaShop, je pense pas que tu arrives à faire quelque chose qui tourne en version gratuite comme ça. Et puis, WooCommerce, maintenant, a un thème qui s'appelle, je sais plus, Storefront. Ouais. Qui est disponible et qui marche super bien. Et c'est vrai que la boutique, elle est montée assez facilement. Si on a besoin d'une boutique qui est standard et puis qui marche sans avoir besoin de se démarquer vraiment de la base, quoi. Enfin, esthétiquement, je veux dire. Le fonctionnement de base tourne super bien. Ouais, bon, moi j'en ai monté 3 ou 4 boutiques, hein, en WooCommerce. Dans notre boutique de thé avec ma femme qui tourne en WooCommerce, mais ça fait longtemps maintenant, ça fait 2 ans, tu vois, qu'elle tourne avec. Et c'est vrai qu'on l'a monté quand même très 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 vite. Et nous, on est parti, tu vois, dans les plugins pour ajouter des fonctionnalités, des trucs qui manquaient. Et en fait, on se rend compte qu'au fur et à mesure, je désactive tous les plugins les uns derrière les autres. Parce qu'en fait, il y a plein de fonctions. On se dit, ouais, ça doit être génial dans une boutique. Et puis en fait, les gens s'en servent jamais. Tu vois, la personnalisation de je sais pas quoi, les petits trucs. Et puis eux, ils sortent un plugin qui permet de tout corriger. Et donc en fait, on se rend compte, et petit à petit, qu'à part le module de paiement et 2 modules de partage, mon WooCommerce devient presque tout seul. Tu vois, il y a presque rien de plus dessus. Je sais pas, je crois que j'ai regardé l'autre jour, le seul truc qui manquait pour moi, c'était les exports, tu vois, exporter des fichiers de commandes, la facturation, tu vois, par exemple, je trouvais ça très con, il y avait des petits trucs comme ça, tu vois, qui manquaient. Et puis nous, pour faire la compta, on doit exporter toutes les lignes de commandes.
Et ben bizarrement, je trouve qu'ils sont très 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 légers là-dessus. Et pour des clients, moi, ça pose un vrai problème parce que pour faire la compta, il faut des trucs qui soient plus carrés. Donc là, on est passé sur des plugins un peu payants, voilà. Ouais, tu veux WP All Export, un truc comme ça. Ouais, puis un autre, je sais pas, on a trouvé un autre truc qui nous exporte tout ça dans le bon format. Il nous exporte 27 colonnes. C'est vrai que c'est pour ça WooCommerce a des choses un peu bizarres. Même je trouve que la gestion des clients est assez bancale aussi pour quelqu'un qui est, enfin pour un utilisateur basique d'une boutique, je trouve que c'est pas très fluide. Enfin, c'est pas logique comme ils gèrent les clients parce que c'est des utilisateurs. Enfin, on sent qu'il manque quelque chose vraiment pour que ça soit propre. Après, bon, ils avancent vite, donc j'ai confiance. Mais c'est vrai que des fois, juste la gestion des clients déjà est assez surprenante aussi dans le commerce. Ouais. Et puis, oui, après des trucs tout bêtes, genre générer des PDF à chaque commande ou des choses comme ça. Là, on doit se retrouver sur des plugins. Bah, nous, je sais qu'on est, on a, j'ai un client qui m'a fait la demande, on est obligé de passer par un plugin. Et bon, après, c'est l'écosystème, hein, fonctionne comme ça aussi. J'ai des trucs qui, faut faire fonctionner un peu l'écosystème, quoi. J'ai l'impression aussi, il y a des trucs qui poussent pas jusqu'au bout. Voilà, puis après, bah, c'est ce que j'explique souvent à mes clients, c'est qu'il faut, voilà, on a un outil, puis il faut travailler avec dans son sens. J'ai des clients qui ont des super idées, des trucs incroyables qu'ils ont vus, qui fonctionnaient sur des e-commerce. Et puis tu lui dis, ouais, mais lui, il n'est pas fait pour travailler comme ça. Et puis si tu vas pas dans son sens, ça va devenir vite compliqué, parce qu'il va falloir coder des trucs, ça va. Mais ils ont de la peine à, des fois, à intégrer ça, c'est de dire, voilà, bah, WooCommerce, il bosse plutôt comme ça. Donc si on va dans son sens, on va simplifier la vie et puis ça va aller facile. Pareil pour PrestaShop. Et puis si on commence à vouloir lui ajouter des fonctionnalités qui sont pas prévues de base chez eux, ben on se complique et puis on arrive sur des coûts qui sont vraiment pas viables. Bon, comme tu es fan de WordPress, je connais la réponse, mais tu penses vraiment que c'est le CMS d'avenir? Parce que bon, on dit qu'il y a un tiers des sites qui tournent sous WordPress, à peu près, dans le monde. Tu vois ça perdurer? Tu vois, tu te dis pas qu'il y a un essoufflement ou qu'il y a des que ça devient un peu lourd ou qu'il y a des parce qu'il y a plein de trucs qui essaient de d'émerger, mais ça devient compliqué maintenant d'émerger autour. Ben justement, ouais, comme on dit, je pense qu'on va en parler, mais WordPress évolue justement et se bat la contre, parce que c'est clair, ils ont des concurrents maintenant qui arrivent fort, hein, des Wix, des Squarespace, des choses comme ça, qui sont hyper faciles d'utilisation pour monter un site, à la différence que ben les données, elles sont chez eux, hein. L'avantage d'un WordPress, c'est que tu es auto-hébergé, si tu prends la version .org, et puis ben, c'est tes données, elles sont à toi. Si tu changes de crèmerie, tu pars avec tes données. Et puis WordPress sent arriver la pression derrière. C'est pour ça qu'ils sont en train d'évoluer. Comme on disait, la version Gutenberg va arriver, où là, on va vraiment pouvoir avoir du WYSIWYG et des choses vraiment chouettes pour l'utilisateur final, je dirais. Et puis on sent derrière vraiment que il y a une motivation à avancer de WordPress. Donc moi, je suis hyper confiant là-dessus. Les équipes derrière sont bien. Matt Mullenweg, qui est le créateur de WordPress, est à fond derrière son produit. On sent qu'il n'a pas une envie de gagner des sous et puis d'engranger le plus possible. Je discutais avec les développeurs justement de Gutenberg, parce que j'étais à WP Tech la semaine passée. Et eux, ils bossent pour automatique et ils disaient, c'est fou, ils poussent ces produits en avant et ils poussent le WordPress. .org, donc l'auto-hébergé, plus en avant, il veut aller de là plutôt que sur l'autre qui est hébergé par eux où il gagne des sous. Donc même lui, il est à fond derrière son produit et son but, c'est de le faire vivre, quoi. Ouais. Tu utilises un petit peu la version hébergée de la WordPress.com? Je l'utilise pas en tant que tel pour créer des sites. J'ai un compte forcément dessus pour bénéficier des petits outils qui sont liés. Typiquement, quand on a du Jetpack ou des choses comme ça, on a des fonctions qui sont liées. Mais j'utilise pas, non, pour monter des blogs rapides, j'utilise pas, parce que de nouveau, ça paraît pas cher. On dit c'est gratuit, on a un blog, mais dès qu'on veut des fonctionnalités, on se retrouve quand même à payer un petit peu par mois. Et puis bah, autant mettre ses sous sur un hébergement et puis avoir toutes les fonctionnalités, je pense. Ouais, et puis alors l'interface de WordPress.com, elle a une particularité, c'est que moi je ne la supporte pas. Je fais des cours, des formations dessus. Cette année, j'ai fait travailler une trentaine d'élèves dessus.
Et au bout de 3-4 heures, systématiquement, on revient sur, tu vois, on fait WP admin et on revient sur l'interface classique qu'on a l'habitude d'en auto-héberger. Et mais des trucs bêtes, comment l'autre jour c'était comment je mettre la description d'une catégorie, par exemple. J'ai besoin de mettre un petit texte d'intro à une catégorie. Et ben, je n'arrivais pas à le faire sur l'interface classique bleue là, leur truc. Créer des catégories, ça va, etc. Mais gérer ce bout de texte et voir si on pouvait mettre une image, je n'arrivais pas à le faire dessus. Et donc, on est repassé sur l'interface classique. Et tout d'un coup, c'est devenu simple, tu vois. Enfin, et pour eux, j'ai même des étudiants, pourtant, qui s'y connaissent pas et qui ont fini par trouver que la version auto-hébergée, l'interface d'admin classique, était plus simple parce qu'ils avaient retrouvé plus de choses. Alors, c'est un peu un comble par rapport à une version .com qui devrait être plus simple d'accès. Moi, je trouve qu'elle est franchement bizarre, tu vois. Il y a un truc qui me va pas, quoi. Alors, moi, je me rends pas compte parce que je l'utilise pas justement aussi pour ces raisons et puis pour... voilà, moi, c'est vrai que j'ai mes habitudes et puis je vois pas, pour moi, l'intérêt, en fait, de passer par là. Ouais. C'est vrai qu'après, pour des cours, pour des choses comme ça, j'y avais pensé. Et puis au final, quand vraiment je dois faire des trucs comme ça, je fais plutôt une install en local et puis on part là-dessus. Ouais, mais c'est ce qu'on a fait avec certains étudiants. Mais c'est vrai que j'ai d'autres étudiants, tu vois, où quand on a 12 heures, on n'a pas vraiment pas le temps de faire l'install en local. Et où même, où moi j'ai pas envie de faire une install, tu vois, un multisite sur mon serveur et où je leur donne chacun un accès. Enfin bon. Mais si un jour t'as l'occasion de tester, tu verras, tu me diras ce que t'en penses, parce que moi je trouve que c'est un bordel. Donc ça répond à ma question, faut-il héberger sur son blog sur WordPress.com? Toi tu dis bon, finalement ça vaut pas le coup, quoi. Ouais, de mon point de vue ça vaut pas le coup, parce que comme dit, dès qu'on a besoin de petites options, d'avoir son propre nom de domaine ou d'avoir plus de capacité, il faut payer un petit peu, donc autant mettre ses sous dans un hébergement. Et puis avoir des choses à nous, quoi. C'est ouais. Vraiment aussi revenir au fait que ben les données, elles sont à toi. Si t'as un problème, t'as tes données. Après, nous, vu qu'on bosse en tant qu'agence souvent avec des clients, c'est un de nos points qu'on appuie sur le client. On lui dit, mais si tu montes un WordPress avec nous, le jour où il y a le moindre problème, que ça va plus, qu'on est fâché, si tu pars, eh ben tu pars avec tout. Tu prends n'importe quelle agence, elle saura bosser avec WordPress, elle pourra reprendre ton projet, ça va pas te coûter des mille et des cents. Si tu bosses sur du Squarespace, sur du Wix, sur du machin, pour la moindre raison, ou sur des CMS qui sont faits en custom dans certaines agences, le jour où tu pars, eh ben, tu te retrouves à tout refaire de zéro. Et ça, les clients, il y a la petite étincelle quand même dans l'œil qui se fait quand on leur raconte ça, et puis que... Voilà, c'est ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est de dire que bah nous, le but c'est pas de garder les choses pour nous, quoi. Et puis ça marche assez bien dans l'idée. Ouais, mais je pense qu'ils ont fini par le comprendre, parce que à une époque ils voyaient un peu les CMS. Moi, je travaillais 8 ans en agence, donc j'ai vu ce système-là. Et quand on mettait en place les premiers CMS à l'époque, les gens, moi j'ai vu par exemple des gens qui changeaient de CMS tous les ans. Pratiquement, tu vois, et puis ils disaient, ah, mais notre site, il marche pas bien, donc on change. Alors qu'ils avaient juste un thème à changer sur WordPress, tu vois, limite, un problème de référencement, ça se solutionne, t'as pas besoin de changer le CMS complet pour changer pour réparer un problème de référencement. Et j'avais eu un cas, des jeunes même, qui avaient changé, en 3 ans, ils avaient fait 3 changements de CMS. Et, pour finalement se retrouver sur un Magento, et ils m'ont dit, mais il est inutilisable, c'est trop gros pour ce qu'on a à faire, on a 15 produits en ligne, etc. Mais on nous a dit que c'était la Rolls du e-commerce. Et, que ça leur a rien solutionné. Mais à chaque fois, ils repassaient à la caisse avec des trucs. Et une fois, ils étaient passés notamment par un CMS propriétaire. Et donc, quand l'agence, je sais pas, je crois qu'elle leur prenait trop cher, ils se sont rendus compte qu'ils sont partis ailleurs. Et depuis, ils tournent en WordPress, hein. Ils ont compris, ça arrive ouais. Comme ça. C'est ce que j'explique aussi quand je vends WordPress quelque part, c'est que WordPress a une base relativement légère quand même. Et puis l'avantage, c'est un peu comme du Lego, justement, c'est ce que j'explique, c'est qu'on peut l'amener où on en a besoin. C'est qu'on a une base de WordPress qui fait du CMS et de la publication. Si on veut monter un e-commerce, ben, on lui greffe juste la partie e-commerce dont on a besoin. Si on a besoin de faire un agenda, eh ben, on lui greffe que la partie agenda. Et puis on se retrouve à compléter WordPress sans avoir des parties qu'on n'utilise pas. Ce qui n'est pas le cas d'autres CMS qui font tout de base.
et puis qu'au final, on n'utilise qu'une partie. C'est aussi un peu mon argumentaire avec l'utilisation de WordPress. Après, le problème, le plus gros problème qui nous reste, nous, avec WordPress, c'est vrai que, ben, en tant que Suisse, on a encore cette particularité de devoir faire des sites très, très souvent en plusieurs langues, en tout cas en deux, voire en trois, quatre. Et puis ça, c'est pas encore le meilleur côté de WordPress, je dirais. Ouais, c'est même mal géré, moi. Ça fait partie des trucs qui sont toujours un petit peu aventureux. Et encore, bon, toi, t'as l'habitude de le faire, mais pour des agences qui n'ont pas l'habitude... ou des gens qui n'ont pas l'habitude, je pense quand même qu'il y a des sacrés pièges et on passe du temps quand même à trouver la solution qui va fonctionner, quoi. Ah oui, puis c'est vite du temps, exactement. Et puis pour des détails après, des fois même on s'en rend pas compte, puis il y a juste quelques lignes qui sont pas traduites à gauche à droite et puis celles-ci deviennent problématiques. Ouais. Bon, allez, je te propose qu'on bascule sur le futur de WordPress, parce que tu l'as déjà dit, puis c'était un petit peu mon but aussi, c'est qu'on parle de ce fameux Gutenberg. Donc WordPress qui se réinvente. Moi, j'ai envie de dire qu'il se réinvente, hein, parce que franchement, le changement d'interface que ça va apporter au niveau de l'éditeur. Or, je précise, hein, parce que ceux qui sont pressés... Est-ce qu'on a une version de sortie de WordPress 5? Une date de sortie, non? Alors, la date, ils avaient prévu... Alors, normalement, ça devait sortir au mois de mai. Et puis justement, en ayant discuté avec les développeurs là, le week-end passé, ils ont dit « Ouais, ça sera pas, mais ça sera un peu plus » parce qu'ils attendent d'être vraiment au point, donc ça repousse. Mais c'est un grand maximum 2 mois, hein, je dirais. Donc, d'accord. C'est quand même relativement rapide. Alors, en attendant, pour se préparer et pour voir un petit peu de quoi il en retourne, moi, je conseille quand même aux gens et à tous mes étudiants, j'aurais fait installer ceux qui étaient sur des installations locales, d'installer le plugin de Gutenberg. Qui finalement, moi j'ai envie de dire, c'est ce qui en apparence le gros changement qui va arriver dans la nouvelle interface. Oui, ouais, c'est la version 5, c'est vraiment l'ajout de Gutenberg à WordPress. Après, le plugin qui existe actuellement, c'est la version bêta, donc elle est pas recommandée en production, je dirais, mais c'est vraiment ça sera comme ça que ça va être intégré à WordPress. Donc c'est vraiment un bon moyen de se rendre compte de ce qui va se passer déjà avec notre site s'il va le supporter. Et puis de se faire déjà un petit peu à l'habitude de cette nouvelle interface pour écrire les posts et puis les articles. Comment tu décrirais ce Gutenberg, cette interface qui arrive là, l'apport que ça va nous apporter à tous? Alors je disais que l'idée de WordPress derrière ce Gutenberg a été de faire du vrai WYSIWYG, parce qu'avant ils avaient un WYSIWYG qui n'était pas du WYSIWYG. On avait un champ titre, un champ contenu. Et puis, ils s'affichaient sur notre site internet d'une façon totalement différente. Là, ils essayent de se rapprocher le plus d'un WYSIWYG, où on va pouvoir glisser des blocs, créer des colonnes directement dans les posts. Et puis, ils se sont quand même énormément inspirés, je dirais, de Medium. On se retrouve très, très proche quand même de Medium, de la façon d'écrire. Cette façon d'ajouter des blocs et puis de les modifier, de changer leurs attributs. Et puis, ce qui va changer dans un premier temps va pas être énormément compliqué point de vue utilisateur, je dirais. Ce qui va changer, c'est cette partie contenu où on va pouvoir être plus libre sur la mise en page. Ça va permettre de créer des colonnes, de rajouter des textes, rajouter des images, pouvoir vraiment avoir un peu plus de flexibilité dans la mise en page d'un post ou d'un truc. Mais ça va pas aller beaucoup plus loin dans la modification de la structure de WordPress. Mais leur but, à terme, c'est d'avoir un WordPress qui soit complètement géré par Gutenberg. Donc, que ce soit le header, le footer, la sidebar, qu'on puisse tout glisser vraiment par bloc. Et là, ça va, pour nous, développeurs, ça va devenir un peu plus cossu. Ouais. Actuellement, nous, ça nous change encore pas grand-chose. On a encore un peu de marge. Alors j'ai envie de dire que ça facilite un petit peu. Alors moi Gutenberg au début j'ai dit mais c'est pas possible qu'on va être obligé d'utiliser ça un jour. Et puis en fait je l'ai installé, il tourne, j'ai les mises à jour. Alors faut quand même le dire, hein, y a des mises à jour qui sont hyper rapides, hein, ça n'arrête jamais. Ce qui montre que ça va vite, hein, autour de cet outil-là. Et ouais, il y a une page à quatre de modifications à chaque mise à jour. Et alors, ça permet, alors, d'une part, Gutenberg, en plus, il est d'une grande modularité parce qu'on peut ajouter des plugins avec des étudiants, s'amuser à ajouter des plugins en pagaille pour ajouter tout un tas d'éléments. Et c'est vrai que pour le novice qui connaît rien du tout à la mise en page ou quoi que ce soit, ça permet de faire des trucs
qu'on n'arrivait pas à faire, qu'il n'arrivait pas à faire jusqu'à maintenant. L'autre jour, j'ai des étudiants, par exemple, qui ont réussi à insérer un tableau HTML classiquement avec des colonnes, etc. Vraiment facilement, alors qu'avant sur l'interface classique, le bouton n'y était pas. Ouais, moi, pour les tableaux, j'ai des plugins qui gèrent les tableaux. C'est vrai qu'actuellement, c'est pas top. Donc là, avoir Gutenberg, ouais, justement, le gère aussi. Et puis, ça permet, ouais, de faire des mises en page. Voilà, ce qu'on pouvait pas faire avant, c'est même bêtement avant mettre deux colonnes, voire trois. Ouais, c'était pas possible. Alors il fallait faire des short codes. Et puis là, ça devient compliqué pour l'utilisateur final, se retrouver avec des balises dans son code. Et puis pour lui, c'est pas normal. Après, nous, en tant qu'agence, on avait un palliatif à ça, qui est ACF. Ouais. Qui permet de créer des champs personnalisés. Donc, on avait quand même une petite variante pour pouvoir créer des pages un peu plus complexes. ACF qui a annoncé une compatibilité, d'ailleurs 100% avec Gutenberg aussi. Mais là, c'est vrai que voilà, on a vraiment il se match vraiment sur du Wix ou bien du Squarespace dans la façon d'éditer les posts. Et puis ça va vraiment simplifier la vie des utilisateurs finaux une fois qu'on aura juste pris l'habitude de retrouver ces petits dans les différents blocs. Oui, puis alors il y a des trucs, on peut mettre un fond de couleur à des blocs, ce qui est quand même magique parce que c'est la demande de je sais pas combien de personnes, je sais pas si tes clients demandent ça, ils disent ah je voudrais bien faire un encadré en rouge, en bleu, en je sais pas quoi, et maintenant en fait ça devient super simple parce qu'il suffit de faire un bloc et lui mettre une couleur de fond et puis c'est réglé cette histoire là. Il y a plein de petits trucs, et puis en ajoutant quelques extensions, on avait réussi à mettre des cartes, je sais plus ce qu'on a réussi à mettre. Et là, j'ai des plugins maintenant qui annoncent la compatibilité. Alors, je sais pas si toi, tu penses qu'il faut quand on prend un nouveau plugin, est-ce qu'il faut vérifier qu'il soit absolument compatible avec Gutenberg, ou est-ce que c'est encore un peu trop tôt? Ah, alors, ça dépend ce qu'on a déjà en place, je dirais. Si vous avez déjà un site en place avec plein de plugins, déjà la première chose, ça va être d'installer Gutenberg puis voir si ça passe, et puis de se dire que si ça passe pas, on pourra s'en passer de Gutenberg. Ils ont créé un plugin qui le désactive. D'accord. Donc vous aurez un plugin pour désactiver Gutenberg pour pouvoir quand même passer monter de version, je dirais, de WordPress, mais désactiver Gutenberg si ça casse quelque chose dans la façon dont on l'utilise actuellement. Par contre, pour le futur, je pense que c'est bien, on va pas pouvoir y couper. Gutenberg, c'est l'évolution de WordPress, il va falloir travailler avec. Donc si on achète un plugin aujourd'hui, ouais, je pense que c'est important d'être sûr qu'il soit compatible, parce que ou qu'il sera compatible à terme, parce que Gutenberg va être vraiment dans le corps de WordPress et puis on pourra pas s'en passer. Ouais, alors surtout qu'en plus, faut le dire, il y a des espèces de, alors je sais pas comment ils appellent ça, moi j'appelle, c'est pas des widgets, mais c'est des petits composants qu'on peut rajouter, donc mettre sur sa page, sur n'importe quelle page, un bout de code qui viendrait d'un plugin, etc. Ça devient extrêmement facile, à condition qu'il l'ait prévu, le développeur du plugin. S'ils ont fait le petit bloc de fonctions, on est capable de les ajouter très simplement, plus facilement encore que ce qu'on fait avec les widgets habituels, quoi. Ouais, ça permet même de placer des widgets un peu partout dans un post facilement. Et puis, là, j'ai vu quelques démos de dev. Pour un développeur, c'est pas extrêmement compliqué de créer des blocs Gutenberg par plugin. Donc, les plugins où il y a des gens un peu sérieux derrière vont suivre forcément. C'est pas quelque chose qui va. Alors, ça va leur demander du travail de le faire, mais pour quelqu'un qui développe et puis connaît le JavaScript, il va y arriver facilement. Et c'est vraiment simple. Ils nous ont montré les processus. Si tu maîtrises JavaScript, c'est facile de mettre à jour ton plugin pour qu'il soit compatible. Donc ça va suivre, les plugins importants vont de toute façon se mettre à niveau. Tu vois d'autres choses que Gutenberg dans la nouvelle version qui arrive là, dans ce qu'ils vous ont annoncé, dans les... Comme toi tu disais avant, on peut rajouter des blocs de couleurs et tout. Et puis en tant que... moi j'avais une inquiétude justement en tant que créateur de thèmes, c'est que le mec il vient me mettre un carré rouge là où je voulais pas qu'il le mette. Ouais. Et ça aussi, on arrive assez facilement à pouvoir limiter les couleurs et puis lui dire, t'as le choix que de cette couleur. Alors, il pourra toujours mettre son fond, mais par contre, nous, on peut lui dire, t'as le choix que cette gamme de couleurs qui seront les gammes de couleurs du thème. Et puis c'est relativement simple ça. Alors, ça va nous demander à nous de nous mettre un peu plus au JavaScript et des choses comme ça, mais
Sur le fond, c'est assez simple. Et puis, ils ont vraiment prévu ça pour être le plus facile possible à développer du point de vue Ouais. du créateur de thème, je dirais. Ouais, mais je comprends ta hantise, parce que c'était la hantise de mon graphiste en agence. Ce carré, ces couleurs, et puis ça, puis il y avait la couleur de changer la couleur de la police aussi. Je sais pas, ici il y a un truc dans Gutenberg, hein, pour le faire, dans la nouvelle Oui, interface. tout à fait. Il y a vraiment, en fait, au moment où on pose un bloc dans Gutenberg, on a une sidebar qui vient s'afficher où on a toutes les options de ce qu'on peut faire avec ce bloc. Ouais. Et il y a vraiment, plein de choses. On peut mettre sur le module de base, on peut mettre en caps, la première lettre en grand. On peut choisir la taille de la police qu'on veut, la couleur. Tout ça, c'est de base dans le bloc, si c'est Ouais. pas été limité justement Et je après crois coup. qu'il y a un bouton justifier le texte aussi, il me semble. Oui, je pense qu'il doit y être, C'est ouais, ce qui justifié. désespère, je sais pas combien d'utilisateurs, de dire mais où est le bouton justifier le texte? Ouais. Bon, ouais. D'ailleurs, c'est ce qui déprimait aussi mon ancien collègue dans Adobe XD. Ouais. Quand tu fais un design dans Adobe XD, il n'y a pas le bouton justifier le texte. Ah. Alors Je moi ne ça sais pas ce qu'on me doit pas justifier, c'est comme Ouais, moi ça me va très très bien, mais ça. expliquer ça, il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude de Word, vous disent mais pourquoi on justifie pas le texte sur un site? Ça devenait un peu compliqué, d'autant qu'en plus si les designers font bien leur boulot, la justification peut être jolie. Oui, tout à fait. Bon, hein, c'est pas, faut le dire quand même. C'est vrai que le bouton justifié a été enlevé de l'éditeur de base il y a une année et demie, et ça avait fait du bruit. Les Ouais, gens puis. s'étaient. Et on retrouve des plugins pour le rajouter, pour le remettre, le réactiver. J'ai vu une agence qui avait toute une collection de plugins, dont un truc qui ne réactive que ce bouton-là. Ouais, ça fait partie du petit jeu, du chat et la souris entre ceux qui imaginent des fonctions et puis ceux qui l'utilisent au quotidien aussi, parce que toi, ton quotidien, c'est aussi d'avoir des clients qui te demandent comment je fais ça, quoi. Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai que après on a eu aussi des bons rires avec WordPress. Maintenant c'est sur la traduction. Je trouve qu'il y a des choses assez chouettes. Ils ont vraiment traduit toute l'interface. Donc maintenant on téléverse et puis enfin il y a plein de petits mots comme ça qui ont changé, qui nous font beaucoup rire. Ouais, alors d'ailleurs je trouve que sur la traduction il y a eu des progrès, mais c'est incroyable hein, les tout à l'heure ce que je disais, j'ai récupéré un nouveau plugin et j'ai même pas fait gaffe à la traduction et mais en fait il arrivait entièrement traduit avec des traductions, il les récupère je sais pas sur le truc collaboratif, j'ai perdu le nom mais c'est quand même assez génial quoi, du moment que quelques personnes sont ont un petit peu regardé, ont un petit peu utilisé, on trouve vraiment vraiment de plus en plus souvent des traductions. Ou des fois, il manque un petit bout de truc, mais le problème de traduction des plugins notamment et des thèmes est quand même de plus en plus limité, je trouve. C'est vrai que WordPress a fait un effort là-dessus. Puis maintenant, pour avoir ton thème validé, enfin ton plugin validé, il doit être prêt à être traduit. Et puis ils font hyper gaffe à ça. Et puis ils font aussi ce qu'on disait aussi sur les mises à jour de plugins. WordPress actuellement, ça m'arrive quasi plus d'avoir un souci de site au moment où je mets à jour un plugin. Après, il y a deux trois plugins que je sais que je mets pas à jour, donc je fais très attention au moment de les mettre à jour. Mais moi, je gère à peu près une quarantaine de sites que je mets à jour depuis WP Main, un truc externe où je gère tous mes sites, où je fais des mises à jour à la volée. Après, je dois retourner juste pour vérifier que le site y fonctionne, mais j'ai plus eu de problème de mise à jour. Donc, mais ils ont vraiment bien bossé là-dessus. C'est vrai qu'il y a plein de sites que t'oses pas mettre à jour. Et WordPress, c'est extrêmement rare qu'on ait le moindre souci. Ouais, Et même la puis mise à pour jour automatique, je trouve le plugin, alors le mise à jour automatique qui se fait tout seul sur les serveurs là. Moi j'avais hésité à l'activer au départ en me disant qu'est-ce qui va se passer, mais si on n'a pas trop de bordel, hein, ça dépend aussi, il y a toujours des petits malins qui s'amusent à modifier n'importe quoi. Mais si on est bien dans les règles de WordPress, moi j'ai pas vu un site planter après une mise à jour automatique en fait. Ben, comme on dit, on va arriver en version 5.0 là pour WordPress avec Gutenberg, mais la 4.9 va continuer à être mise à jour au point de vue de sécurité pendant encore au minimum 2 ans. D'accord. Là, ils sont toujours en train de mettre, je crois, à jour la 4.3. Les add-ons de sécurité continuent à suivre dès qu'il y a une faille, ça reste compatible. Donc, si on n'ose pas passer à la 5 à cause de X, Y raisons de Gutenberg ou d'autres que le site y passe, on peut rester en 4.9 à l'heure actuelle sans avoir de soucis de sécurité. C'est vraiment juste pour suivre l'évolution qu'on passe en 5, mais on peut rester en 4.9 sans que ça mette en péril
la sécurité du site. T'es impatient d'avoir arrivé cette version là maintenant, tu Ouais, maintenant je suis impatient. En fait, plus que la version, je suis impatient de voir ben justement qui va suivre. Typiquement, moi j'utilise beaucoup ACF, je suis un grand fan d'ACF et j'attends de voir ce qu'ils vont faire. Pour être, enfin, ils annoncent qu'ils seront compatibles, mais on n'a pas encore, même pas une version bêta ou un truc pour le tester. Donc on se rend pas compte de comment ça va s'imbriquer. Et puis il y a plein de plugins comme ça que j'attends vraiment. Et puis ce qu'on dit avec cette version de, il y a plein de plugins qui vont, des nouveaux plugins en fait qui vont sortir pour faire évoluer Gutenberg. Et ça va être super intéressant de voir. C'est vrai que les toutes premières fois quand ils l'ont annoncé, la communauté WordPress a fait wow, non, on n'en veut pas. Et puis là, depuis 2 ans, ils font un énorme boulot où ils vont dans les conférences. Et à chaque fois, dans chaque meet-up, WordCamp qu'il y a eu de WordPress, il y a quelqu'un de Gutenberg qui venait faire un talk, évangéliser vraiment Gutenberg pour leur dire, voilà, regardez, ça va être bien, arrêtez d'avoir peur. Et maintenant, je pense que 80%, je dirais, de la communauté WordPress, 80, pardon. Et derrière, je dirais vraiment, et pour le Gutenberg. Au début, on a eu vraiment un gros clash. Et puis, les gens comprennent que ça va pas leur causer problème et puis que ça va plus les aider. Ouais, moi, au début, tu vois, je trouvais que c'était, j'ai eu peur que ce soit plus lent. Tu vois, moi, j'avais mon habitude, je faisais mon copier-coller, ça a tout marché et tout. Et les premières fois que j'utilisais Gutenberg, j'ai dit, oh là là, mais ça me foutait un peu le bordel. Et les nouvelles, depuis les dernières mises à jour, depuis quelques temps, là, ça fait 2-3 mois que je l'utilise beaucoup plus. Et en fait, je trouve qu'on gagne vraiment du temps, mais des fois sur des, c'est vrai que sur des petites bêtises, des trucs comme ça, quoi. C'est vraiment, ça change les, un peu le travail sur des choses, moi je trouve. Mais par exemple, moi je sais que je travaille avec des thèmes Genesis. Et Genesis s'est annoncé qu'ils étaient compatibles, avec, ils travaillent sur la compatibilité, bah, notamment pour ces histoires de colonnes, tu vois, parce que Genesis avait incorporé des colonnes avec des styles, etc. Donc a priori, je pense qu'on va avoir un bouton pour avoir les styles Genesis qui vont bien se coller, etc. Et je pense, tu vois, ça va vraiment faciliter sur des mises en page un peu complexes, ceux qui veulent faire des belles landing pages avec des comment ça s'appelle, des blocs de dont j'ai perdu le nom, tu vois, en défilement, etc. Tout ça, je trouve, c'est vraiment beaucoup 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 plus facile, quoi. Et puis c'est vrai que moi j'ai des clients que j'ai récupérés ou qui avaient un budget minimum où on a dû mettre des thèmes. Style Divi avec des builders, des thèmes builders intégrés qui sont d'une complexité à tomber par terre. Enfin, le client, lui, il n'ose pas toucher son site parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe dedans. Il a été fait par quelqu'un où le gars, il a mis tous les blocs, les trucs, et après, tu n'oses plus le toucher parce que tu ne sais pas. Il faut cliquer sur un petit icône qui est dans l'icône pour aller éditer le texte. Enfin, ça devient hyper complexe. Et puis là, bah, avec Gutenberg, on devrait limiter, enfin, je pense que les theme builders, ils commencent à trembler un peu. Ouais. Moi, je vais te dire. Après, ils seront, la plupart seront compatibles. Enfin, c'est pas que c'est compatible, c'est qu'avec Gutenberg, typiquement, si ton site, il est fait avec un theme builder, et puis que tu rouvres pas la page, il y a rien qui va bouger. Tant qu'on n'a pas été remodifié une fois la page, ça va rester stable. Ouais. Après. Ouais, voilà. Mais moi, je vais te dire, avec mes étudiants, le premier truc qu'ils cherchent à faire, je leur dis de mettre du contenu pour faire leur page, leur menu, etc. Le truc qu'ils font d'abord, c'est de faire chercher un thème. Donc, je les ai fait laisser faire, tu vois, puis au bout d'un moment. Et ils ont tous cherché des thèmes avec des builders compliqués, tu vois, ils voulaient faire des one page, alors ils cherchaient le thème qui était idéal pour faire ça. Et, à la fin, au bout de, 2-3 heures, j'aurais dit, bon, on va mettre Gutenberg quand même pour regarder. Donc, il y en a certains qui avaient Gutenberg et d'autres qui avaient les trucs super compliqués. Et en fait, ils étaient tous bloqués par leur thème, tu vois, super géniaux, etc. Mais ils avaient tous une fonction premium, tu vois, pour ordonner, je sais pas, il y avait 2 blocs à mettre l'un sous l'autre, tu vois, des trucs comme ça. Ils pouvaient pas le faire. Et tout d'un coup, ils se sont rendus compte, j'aurais dit, ben maintenant, vous prenez une page, vous créez la même chose, mais avec Gutenberg. Et en fait, en un quart d'heure, ils ont fait ce qu'ils ont mis des heures à ne pas arriver à faire avec des thèmes premium, ouais, avec des builders un peu compliqués ou des fonctionnalités limitées, etc. Et je pense que ça va vraiment un petit peu changer la vision de certains sur, bah, finalement, certains de ces thèmes, hein, qui étaient vendus surtout. Moi, franchement, il y a des thèmes qui sont vendus pour moi d'abord pour le builder qui va avec. Oui, et puis moi je reste un peu un extraterrestre, je dirais, je sais pas. Moi j'ai énormément de peine avec même un thème déjà fait ou des thèmes premium. Pour un client, c'est toujours compliqué parce que ils adaptent leur contenu au thème. Ouais.
tu te retrouves avec un thème que tu achètes, tu dis alors maintenant il y a des cases que je vais devoir remplir avec de mon contenu. Alors que si tu fais un thème qui correspond à ce que va besoin de ton client, et ben tu vas dire ok, moi j'ai ce contenu, ben comment on va le mettre en page pour qu'il soit joli? Et puis au final, on gagne plus de temps, enfin je gagne plus de temps, c'est vrai que voilà, je comprends qu'il y a des gens qui codent un thème, ça va pas être possible, mais moi en tant que designer de thème, je gagne plus de temps à faire un thème sur mesure pour le contenu que j'ai que d'aller couper dans un thème premium pour enlever des blocs, des trucs qui me correspondent pas ou qu'on n'aurait pas besoin, ou alors se dire ben là, il y a une case, il faut la remplir, qu'est-ce qu'on met? Alors d'ailleurs, pour ceux qui sont un petit peu qui ont peur de pas arriver à servir de WordPress ou quoi que ce soit, moi je le dis souvent beaucoup aux gens, hein, sur la plupart des hébergeurs maintenant ont des installateurs de WordPress automatiques, hein, que ce soit chez OVH, mon arrobase, on a des WordPress déjà tout installés. Moi sur mes hébergements j'ai Softaculous là, qui fait même les sauvegardes automatiques toutes les nuits, toutes les semaines, qui fait tourner tout ça, etc. Avoir un WordPress clé en main, auto-hébergé, qu'on paye avec un hébergeur même de quelques dizaines d'euros par an. Franchement, c'est relativement simple. Et derrière, si on ajoute ces versions de Gutenberg, on se retrouve avec même le thème par défaut, finalement avec une puissance qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant, moi je trouve. Ah ouais, clairement, ouais. Puis bah, comme on dit, les maintenant c'est vrai, en un clic, le WordPress il est installé sur la plupart des hébergeurs. Et puis le 20, bah, je pense que de toute façon il y aura aussi une mise à jour du thème par Ouais. défaut, parce que chaque année ils en font une. Et il est tout à fait, enfin ce thème il est tout à fait correct, il est même plutôt joli. Et puis c'est vrai que maintenant qu'on a cette possibilité de mettre en page le contenu, eh ben ouais, je pense qu'il y a quelque chose à faire de simple. Et qui permet vraiment d'évoluer plus qu'avant, où on était vraiment limité à un gros pâté de texte et puis un titre. Bon, alors Gutenberg, bon, on verra, hein, tu dis dans environ 2 mois, peut-être, à peu près, hein, on va pouvoir, Ouais, je c'est, pense à un mois et demi, 2 mois, ouais, ouais. ils l'ont annoncé comme ça. Je te propose qu'on parle un petit peu des plugins, notamment parce que je t'avais demandé ton avis sur Jetpack. Enfin, moi, j'ai longtemps considéré que c'était le premier plugin à installer, quand on avait un WordPress auto-hébergé, je sais pas ce que t'en penses. Alors, moi, j'utilise beaucoup de Jetpack, ouais. J'aime bien. Il y a des détracteurs de Jetpack aussi qui disent qu'il est trop lourd. Mais dans mon utilisation de plugins, ça fait partie de mes plugins que j'installe. Par contre, j'utilise pas la version payante, qui m'amène pas grand-chose de plus pour l'instant. Donc, j'ai que la version gratuite. Mais Jetpack, oui, je l'installe sur tout. Après, on peut aller dans les réglages, désactiver ce qu'on n'a pas besoin. Comme ça, il fait tourner que ce qu'on utilise tous les jours. Mais ouais, je suis un grand fan de Jetpack aussi, qui est aussi dépendant de enfin, qui a un plugin qui est développé par Automattic, la société qui gère WordPress. Donc, on a une compatibilité vraiment 100% et assurée. Pour toi, il y a des fonctions dans Jetpack qui le rendent vraiment indispensable. Il y a la fonction que tu sais que tu actives à coup sûr. Alors, les fonctions que j'aime bien utiliser dans Jetpack, ben déjà, c'est tout ce qui est statistique. Ouais. C'est vrai que pour la plupart des gens, ils aiment bien avoir, sans avoir besoin d'aller dans du Google Analytics où les gens se perdent. Là, on a enfin sur le tableau de bord tout de suite les petites barres, c'est hyper clair. Et puis les gens, ben, ils ont déjà un bon aperçu des statistiques sans avoir besoin d'aller creuser. Après, j'aime bien leur partage des réseaux sociaux que je trouve hyper pratique. Ça évite, bah, dès le moment où on a Jetpack, autant utiliser leur partage des réseaux sociaux qui marche bien, qui a évolué encore récemment, qui est encore plus simple qu'avant, et puis qui grandit. On peut vraiment ajouter, je crois qu'il y a même WhatsApp dans la liste de base des trucs sur lesquels on peut partager. Alors à noter Donc, d'ailleurs qu'il y a la fonction payante est quand même beaucoup plus évoluée en plus. Hein, il y a des le jour j'ai regardé un petit peu la version premium de Jetpack et ce module Publicis là en version payant fait partie des raisons à la limite toi qu'on pourrait avoir de peut-être payer. Enfin j'ai l'impression puisqu'on peut programmer des publications à l'avance, il y a ils ont poussé un peu plus loin les choses quoi. c'est vrai qu'après, moi, je suis pas, ouais, moi, j'aime bien, enfin, ça, c'est encore autre chose, mais j'aime pas publier la même chose sur tous les réseaux. Donc, c'est vrai que Ouais. après, je le refais à chaque fois à la main sur chaque truc, mais il y a beaucoup de gens pour qui ça fait gagner un temps fou. Et puis, il y a aussi la gestion des galeries qui est assez intéressante avec Jetpack, Ah, je suis qui d'accord avec permet de toi. faire des choses assez jolies. Et puis, justement, moi, en tant qu'utilisateur d'ACF, de nouveau,
Il y a une compatibilité avec la façon dont ACR crée les galeries et l'affichage généré par le Jetpack, qui pour moi est assez simple à mettre en place et puis qui rend tout de suite un effet assez cool, quoi. Il y a ces effets en tuiles qui est vraiment chouette. Et puis ça, j'utilise aussi, ouais, Alors l'effet tuile, c'est quand même relativement. l'effet, moi je trouve, qui est vraiment génial. Toutes tes galeries sont d'un coup super belles. Puis c'est d'une simplicité redoutable. Alors pour ceux qui veulent passer du Jetpack, faut savoir quand même que cet effet-là, on le trouve hors Jetpack, puisqu'il y a un développeur qui a fait un plugin. Donc moi je l'ai sur certains sites où je n'ai que cette fonctionnalité-là de Jetpack qui a été fait par. Alors d'ailleurs, je me demande même comment ça a pu être validé, parce que c'est les galeries Jetpack sans Jetpack. Hein, il s'appelle comme ça, un truc dans le genre là. Si tu cherches Jetpack, tu veux installer l'extension Jetpack, tu cherches Jetpack, la deuxième extension, c'est utiliser les galeries de Jetpack sans Jetpack. Et ça marche, alors il n'y a que les galeries forcément, mais tu as cet effet tuile qui marche super bien aussi. Et c'est vrai que le Lightbox, tous ces effets-là, marchent super bien dans Jetpack. Ça fait vraiment partie, je trouve. Plutôt que de se casser la tête à trouver des plugins plus compliqués, celui-là marche vraiment très bien, ouais. Et puis de tête comme ça, je suis en train d'essayer de regarder parce que enfin, j'ai perdu encore quelques, enfin, j'ai pas tout en tête les fonctionnalités de Jetpack. Mais à un moment, je travaille beaucoup en Markdown aussi. Ouais. Et il y a une fonctionnalité dans Jetpack qui permet de créer du Markdown dans les posts. Maintenant, avec Gutenberg, ça va être un peu bizarre, mais je l'ai activé quand même sur quelques sites aussi sur lesquels je sais que je faisais mon contenu en Markdown à l'avance, qui fonctionnait relativement bien. J'utilise pas, hein, après avec Jetpack tout ce qui est backup et autres. Là, j'ai d'autres plugins Ouais. qui me servent à faire les backups. C'est pour ça que j'ai pas non plus cette option payante qui me dérange, en fait, que j'ai besoin. Après, je suis en train de tête comme ça. Bah, vraiment, moi, c'est déjà, ouais, c'est certes. Les galeries, les partages. Ah oui, puis il y a un truc que j'utilise beaucoup, c'est la gestion des widgets. Avec Jetpack, on peut, il y a une option qu'on active, et après, avec Jetpack, on peut choisir comment on va afficher notre widget, si on l'affiche sur cette Ouais. page, si on l'affiche dans telle langue. Enfin, on peut choisir aussi dans les langues. Moi, j'utilise beaucoup les langues. Ouais. Et puis avec Jetpack, bah, je peux lui dire ce widget, il est qu'en français, qu'en anglais, qu'en allemand. Et ça, c'est un gain de temps aussi Ouais, qui c'est est assez cool. la fonction visibilité, hein. Ça rajoute un petit bouton visibilité sur les widgets et qui permet de mettre. En plus, il y a tout un tas de conditions, donc on peut le rendre vraiment conditionnel, dire que ça s'affiche sur telle page et pas sur telle page, etc. Ouais, ça fait partie, ouais, effectivement, des fonctions Jetpack qui est gratuite en plus. Celle-là, il n'y a même pas besoin de payer pour l'avoir. Tu utilises Et puis Photon ou le chargement d'image au fur et à mesure, là, tous les trucs comme ça ou... Alors ça, moi j'ai un plugin de cache aussi séparé qui me gère ça. Donc c'est pour ça que j'utilise pas via le Jetpack, parce que ben j'utilise VP Rocket, pour pas te citer, dans les Ouais. plugins de cache, qui est un premium mais qui fait le boulot vraiment bien. J'ai Et renouvelé ma puis licence il y a 2 jours. donc moi je l'utilise vraiment, voilà. Et puis bah, c'est lui qui me gère le lazy load, là, justement, des photos qui se cherchent qu'au chargement. Donc je ne passe pas par Jetpack pour ça. Je regardais Infinity Scroll aussi. Ça, c'est pas une fonctionnalité que j'utilise de Jetpack et qui me dit de temps en temps, quand j'ai des sites simples, le formulaire marche bien. Formulaire, La ouais. version du formulaire est, alors, pas très belle. Mais pour faire un formulaire tout simple en 2 minutes, ça marche bien, ça s'enregistre directement dans la base de données, toutes les réponses sont stockées, et ça, c'est Ouais, voilà. ça rajoute un feedback ou je sais pas comment il l'appelle Ouais, maintenant, c'est feedback. feedback, ouais. Ouais, je pense qu'en français maintenant, ils ont traduit certainement. Et puis, ouais, comme dit, il y a plein de widgets qui se rajoutent en plus dans la sidebar, qui permettent de faire des choses. Enfin, pour les sidebars, je dirais, de widgets spéciales qui sont créés par le Jetpack, qui sont vraiment bien. Oui, alors il y en avait un qui était super pratique notamment, c'était ajouter une image, un widget image, qui est souvent une demande, moi j'avais vu chez des clients qui disaient mais comment je fais pour mettre une image dans ma sidebar? Et à l'époque on n'avait que le widget texte, tu te rappelles la vieille époque là et tout, Ouais. et certains avaient fait des rich text widgets, je sais pas si tu te rappelles de ça, où il y a des widgets qui reprenaient l'éditeur.
Et sauf qu'ils étaient tous foireux et c'était une porte d'entrée assez hallucinante pour tous les pirates, puisque moi, quasiment tous les sites qui avaient ce widget-là ont été piratés. Parce que l'éditeur était jamais mis à jour, c'était pas l'éditeur standard ni rien et tout. Et il y avait, moi j'ai eu beaucoup beaucoup de problèmes avec cet éditeur-là et avec Jetpack, avec ce fameux widget-là, c'est un problème qui est résolu assez facilement puisqu'on peut mettre une image comme on veut sans aller bidouiller trop longtemps en fait. Et puis bon, maintenant WordPress a fait des mises à jour de ses widgets. Dans les widgets de base de WordPress, maintenant on a le WordPress pour une image. Ouais, ils l'ont. Ouais. Pour du texte et puis pour du texte, enfin du texte simple et du texte enrichi ou du HTML. Enfin, ouais. Ils ont rajouté quelques petits widgets comme ça maintenant pour une vidéo, je crois. Il y a aussi maintenant et ils ont créé des widgets comme ça qui permettent de le faire. Du HTML, ouais, HTML personnalisé ou vraiment texte et images, vidéo maintenant ils ont. Ouais. Et puis un truc qui vient, j'arrive plus à savoir maintenant s'il vient avec le Jetpack, c'est AskiMet, c'est l'anti-spam. Pour moi il est en dehors, mais comme ils font payer l'abonnement par leur site, mais pour moi en fait il est livré parce qu'en fait il est livré directement avec WordPress quand tu l'installes, donc pour moi il est en dehors, il est pas activé. Et par contre, tu l'actives par leur site et... Voilà, c'est pour ça qu'il faut s'inscrire, enfin, se faire un compte WordPress.org, WordPress.com, pardon, quand on fait une install. Moi, juste pour ça, moi, je fais le compte. Il y a une petite subtilité avec AskMet, justement, quand on crée pour avoir la clé API, on arrive sur la page de paiement, en fait. Puis là, il y a un petit curseur ouais. qui, par défaut, est mis sur, pas beaucoup, je crois, c'est 2 ou 3 dollars. Mais on peut le tirer sur le zéro. Et puis continuer à l'utiliser en version gratuite quand même. C'est vrai que c'est pas très instinctif de tirer sur le zéro puis de le faire, mais ça marche quoi. Ouais, c'est un truc de design parce qu'au début il était gratuit, après ils ont mis des options et finalement il paraît payant alors qu'en fait on peut l'utiliser en gratuit. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon les sites sont bombardés de spam en pagaille. L'autre jour j'ai regardé sur un site qui l'avait pas, il y en avait 87 dans la journée qui étaient tombés des spams. Alors aucun validé puisque le site n'a pas les commentaires affichés, tu vois, donc ils ont vraiment bombardé pour rien. Mais j'ai un petit peu rigolé quoi, en me disant si on avait, et sur mon, j'ai un site où j'ai 500 ou 600 000 commentaires qui ont été bloqués. Bon. Au total. Sur le AskiMet, c'est la stat, c'est qui s'affiche. J'ai mon blog, c'est 123 000, je crois, et j'ai un site qui est plus ancien où, ouais, on est à presque au demi-million, quoi. Donc, ouais, ça bombarde. Hein. Et puis moi, il y a une fonction Jetpack que j'utilise parce que je suis vraiment une quiche en orthographe. C'est la correction automatique. Au moment où on écrit, il vérifie l'orthographe directement. Ce qui est pas par défaut, en fait, je crois, dans WordPress. Et vu que j'installe tout le temps, pour moi, il fait partie du truc. C'est ça. On sait plus ce qui appartient à WordPress, qui appartient à Jetpack au bout d'un moment. Donc, ouais, c'est un peu le. Pour moi, en fait, je comprends qu'ils le mettent un petit peu en séparé, mais je me demande pourquoi ils le livrent pas avec, en fait, juste à activer, tu vois. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre qu'ils soient pas comme ça en prêt à activer. Leur but, c'est vraiment de garder, je pense, le corps le plus light possible. C'est pour ça qu'il n'est pas dedans. C'est pour ça que même WooCommerce aussi est séparé. C'est pas une option au moment de l'installer directement dans le truc. C'est vrai qu'il pourrait. Enfin, ça serait assez style d'avoir ça au moment de l'installation. Qui te propose, tu veux le Jetpack, tu veux le WooCommerce, tu veux le Multilang. Puis choisir comme ça dans l'installation les étapes. Mais moi, je pense qu'on va y arriver. Oui, petit à petit, oui, ça va progresser là-dessus. À part Jetpack, tu vois des plugins qui sont indispensables pour toi? Bon, on sait que t'es fan d'ACF, mais dans les plugins, après il y a les plugins de SEO qui sont vraiment des basiques qu'on installe tout le temps. Pour l'instant, j'utilise Yoast SEO qui reste la référence. La référence. Après, j'utilise un autre plugin avec Yoast pour masquer Yoast dans les trucs parce qu'il met beaucoup de chenilles et puis l'utilisateur final, il comprend pas tous ces trucs de. Ouais, il y a trop de trucs, ouais. Il fait peur en plus. Donc, je vais aller voir sous WordPress plugin parce que il y a un truc qui est chouette dans WordPress quand vous avez justement aussi un compte sur WordPress.com. Si vous êtes connecté, vous pouvez mettre des plugins en favoris.
Donc, une fois qu'on se balade dans la liste des plugins, on met des favoris et puis on les retrouve toujours. Même dans une install, au moment d'installer un plugin dans WordPress, vous pouvez choisir d'afficher vos plugins favoris. Donc, l'avantage qu'il y a, c'est qu'après, ben, on les retrouve hyper facilement. Mais dans les plugins que moi j'utilise, que j'ai mis justement dans mes favoris, j'ai bah, le plugin de backup que j'utilise tout le temps aussi, qui fait vraiment partie j'ai perdu le nom, je reviendrai après. Par contre, j'ai un plugin de formulaire aussi que j'utilise, parce que le formulaire quand même est un peu limité. Donc moi j'utilise Caldera Form pour les formulaires, Ah, je le connais pas celui-là. qui est aussi une version bien sûr premium, mais la version gratuite permet d'aller super loin, de faire des formulaires conditionnels, des choses vraiment poussées dans les formulaires, des gestions de l'email qu'on envoie, enfin de l'email automatique, pouvoir mettre des pièces jointes dedans, des choses comme ça. Enfin, moi je trouve qu'il est facile, vraiment aussi WYSIWYG à la façon de le créer. Il va super loin. Et puis après, on peut rajouter en plus ben, des plugins aux plugins, c'est leur façon de le faire payant, pour aller encore plus loin avec ça. Mais ça, j'utilise beaucoup, beaucoup. J'utilise aussi un plugin, j'utilise souvent, qui s'appelle Better Search and Replace, qui permet de faire des search et remplacer en fait dans tout le site et dans la base de données. Ça, j'utilise principalement ces temps quand je fais des passages en HTTPS. Ouais, des migrations, ouais. Voilà, comme ça, directement depuis l'admin, je peux aller faire un chercher remplacer du HTTP à HTTPS sans avoir besoin d'aller les taper dans la base de données. Après, dans mes plugins favoris, il y en a un qui s'appelle LocoTranslate, Oui, bon, indispensable aussi, hein. voilà, que j'utilise beaucoup, ben, qui permet d'aller traduire justement des parties d'extensions qui n'auraient pas été traduites. Il y a un petit plugin que j'aime bien utiliser pour les carousels d'images, qui s'appelle le Logo Carousel, qui peut faire des petites bannières défilantes en bas de page avec, quand on a typiquement un site, là, je suis sur un site pour une manifestation, un truc comme ça, quand on a des sponsors, ça crée un custom feed réservé à ça, on rajoute une image, un texte, et puis le truc, il défile en bas de l'image avec un shortcode. J'aime beaucoup celui-là parce qu'il marche vraiment bien. J'utilise aussi un plugin pour les pop-up. Parce que souvent, j'ai besoin quand même de créer une pop-up. J'ai beaucoup de clients qui n'ont pas suffisamment de structure pour écrire des news. Donc, on désactive toute la partie blog parce qu'ils ne vont pas la mettre à jour. Et puis, quand tu viens sur un site et puis que tu n'as rien qui est mis à jour depuis 2012, ben, ce n'est pas très crédible. Non, ça fait pas très vivant. Donc, faut que je leur installe souvent juste le truc de la pop-up. Comme ça, quand ils ont vraiment des grosses informations à faire passer, style la fermeture pour Noël. Ben voilà, on leur charge la pop-up, on l'active une fois. Une fois qu'elle est fermée, il y a le cookie qui gère le fait qu'elle ne va pas se rafficher pendant X temps. Donc ça s'appelle Pop-up Maker, qui est hyper bien parce qu'il permet vraiment de gérer si on veut l'activer sur les mobiles, pas l'activer sur les mobiles, de créer un cookie, choisir sur quelle page il s'affiche. Ça marche vraiment, vraiment bien. Après, ben, comme on parlait avant pour les tableaux, j'utilise TablePress, qui permet de faire des chouettes tableaux qui sont triables après, justement, sur le front-end. Et ça, c'est quand même assez cool de pouvoir trier. Donc, pour le backup, j'utilise Updraft Plus, qui gère les backups. Et puis, après, en tant que développeur, j'utilise un truc qui s'appelle What the File. C'est une petite. Un plugin qui permet en fait dans la barre d'admin en haut, dans la barre noire, de te dire sur quel fichier tu es dans ton WordPress quand tu es sur le front-end. Ah oui, d'accord. Savoir si tu es sur archive.php, sur index, sur single, et puis des fois quand tu dois aller taper dans le thème, tu sais, enfin, c'est difficile de savoir quelle page aller retrouver. Donc le What the File, il permet de te retrouver, enfin, de te dire sur quelle page tu es en train de voir. Ah Et ouais. ça nous sauve pas mal de temps. Ouais. Ouais, je comprends, ouais, parce que c'est un peu le bordel des fois dans la structure pour retrouver exactement où on se situe, comment c'était développé, ouais. Et puis après, dans les choses que je mets tout le temps aussi, c'est WordFence Security, Ouais. mon plugin que j'utilise de sécurité actuellement, qui marche out of the box. Vraiment, on l'installe et puis il n'y a pas besoin de setup à faire. La fonction de base, elle marche nickel.
Et puis, après, des fois, enfin, il nous met la liste du nombre d'attaques, du nombre de personnes qui ont essayé de se loguer à son site, avec des logins bidons, des choses comme ça. Et c'est flippant. Ouais, je suis d'accord. On se dit qu'on a un petit site et puis il est tranquille. Je veux dire, je vois pas pourquoi quelqu'un viendrait hacker mon site. Et là, on regarde la liste des robots qui ont essayé de rentrer et c'est terrorisant, quoi, de se dire qu'il y a autant de robots qui essayent de rentrer sur son site, quoi. Donc. Et puis, ouais, je crois que dans les plugins que j'utilise le plus, ils sont tous là. Après, j'utilise encore un qui s'appelle Force. Regenerate some mail qui permet de régénérer en fait toutes les miniatures du site à la volée. Et ça, c'est de nouveau quand on développe un thème, puis que tout d'un coup on va changer la taille pour finir d'une image. Lui va continuer à afficher l'ancienne taille qu'on avait à l'endroit où on le veut. Donc c'est vite flou et moche. Donc là, on régénère en fait toutes les miniatures. Et puis j'ai un autre plugin qui sert à retailler en fait les miniatures depuis l'admin. Ça s'appelle Advanced Crop Add-on, je crois, un truc comme ça, et qui est assez sympa parce qu'en fait, des fois, quand WordPress fait une miniature ou un carré de ton image pour ton site, bah, il est pas recadré là où tu l'aurais voulu. Donc ça permet toi d'aller recadrer vraiment dans l'image, puis te dire bah, pour la miniature, tu m'utilises. Alors, c'est la dimension que tu as pour tes miniatures, mais à cet endroit-là, puis là, tu peux caser la tête ou ça t'évite d'avoir juste un haut d'image ou un bas d'image. D'accord, je Après, connais ça pas prend du celui-là. temps. Ouais. Après, ça prend du temps. Et puis, Bon. j'utilise encore un plugin que j'utilise assez régulièrement ces temps pour afficher Instagram. Ouais. Ça s'appelle WP Instagram Feed. Ouais, c'est celui que j'utilise aussi, ouais. Qui marche bien et puis qui est cool. Puis pour certains sites, tu utilises un truc qui s'appelle Juicer. Je sais pas si tu. Non. Juicer, c'est un truc qui permet d'aller récupérer justement les feeds des réseaux sociaux. Ouais. Donc ton feed typiquement ben, d'Instagram, de Facebook, et puis il te le met en page, en une seule page en fait, avec tous tes feeds mélangés. Ouais. Et puis ben, moi, il y a même des clients qui ont pas cette partie blog justement, pour lequel j'installe juste ça. Et puis eux, ils postent des trucs sur Facebook, sur Instagram, et ça se retrouve en fait ici. Alors il y a Juicer qui le fait, et je sais qu'il y en a un autre. Il faut juste que je retrouve le nom parce qu'il est pas mal aussi. Il s'appelle. Hop, je vais voir là, je sais que je l'utilise. Flow. Ça s'appelle Flow. Ah, je le connais pas celui-là. Et qui marche vraiment bien, qui a une partie aussi, bah, toujours un premium, machin, mais la partie gratuite te permet déjà de récupérer ton flux Facebook et ton flux Instagram et puis de le mettre en page, sur une page dédiée comme ça. Et ça, c'est voilà, bah, typiquement pour les sites de manifestation aussi, c'est hyper cool parce que bah, sur ton site, tu as tout le résumé de tout ce qui s'est dit, tu peux gérer par hashtag, je crois, tu peux dire, moi, tu me listes tous ceux qui sont avec ce hashtag. Après, ça devient, c'est toujours le problème de vérifier ce qui tombe, mais après, je crois qu'avec la version payante, il y a une façon de De pouvoir filtrer, ouais. filtrer. Ça s'appelle Flow Lite. Eh ben, merci pour ces plugins. Donc, j'essaierai d'en faire une liste, hein, de retrouver les noms, Ouais, de alors. mettre. Le plus simple, Ouais. c'est justement donc si tu vas dans l'admin de WordPress puis que tu fais ajouter un plugin, Ouais. tu peux chercher favoris puis tu peux rentrer un nom d'utilisateur dans ces favoris. Ouais, Et puis d'accord. il suffit de rentrer le nom que j'utilise pour enregistrer mes favoris, c'est JERBOA, JRB, là, le truc avec les grandes oreilles là. Ouais. Donc si tu tapes là-dedans, bah tu retrouves ma liste en fait de favoris WordPress. D'accord. Donc tout le monde peut retrouver ta liste de Tout le monde favoris peut retrouver ma WordPress liste. comme Comme ça. ça, voilà. Là, normalement, je la tiens un jour, je les enlève, je rajoute les plugins que j'utilise le plus. Bon, bah c'est génial. Comme alors tu vois, alors là, franchement, je viens de découvrir une fonction, je ne connaissais pas du tout cette fonction. Les favoris, je crois que je les avais vus passer, mais l'autre fonction, je la connaissais pas du tout. Bon, pour finir, bah, on va te dire un petit mot sur ce que tu organises, parce que tu es organisateur d'événements sur WordPress et en dehors. Donc, bah dis-nous, explique-nous un petit peu ça.
Ah oui, bon. Alors... pour les auditeurs, je dois préciser que j'ai ma petite fille sur les genoux parce qu'on a une... elle a voulu s'inviter. Allez, John, à toi. Alors, dans les événements, on va aller de par ordre à date. Donc, si vous êtes en Suisse, le 23 juin 2018, on organise un festival de la bière artisanale à Échallon. Le Festipius. Donc, 12 brasseurs, venez déguster des bières. On a des prix hyper pas chers pour les bières. Et puis, c'est vraiment un bon moment. Et puis, pour rester dans le thème, je suis co-organisateur du World Camp à Lausanne, le 28 et 29 septembre 2018. C'est un jour, le 28, c'est les Contributors Day, donc on peut venir participer au corps de WordPress. Et le 29, c'est un samedi. C'est une journée où il y aura des conférences sur le thème de WordPress. Donc, c'est officiel WordPress, donc on parle de tout. C'est pas que cibler développeurs ou que cibler utilisateurs, c'est généraliste. Et puis, les billets sont vraiment… ben, les WordCamp, c'est pas cher, je crois que c'est… je crois qu'on doit arriver autour des 30 francs le billet, ou enfin 35 euros le billet pour l'entrée de la journée. Ouais, c'est ce qu'il faut préciser, hein. C'est que pour être officiel, il faut parler de tout, pas être que développeur ou qu'être marketing, et être pas cher. Voilà. Et puis bah là, on a lancé l'appel aux orateurs, où il va être lancé cette semaine, donc je sais pas encore de quoi on va parler, mais on parlera de choses bien. Et puis bon, bah, la version Gutenberg sera sortie hein, d'ici là. Donc il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à voir. Bon, merci beaucoup John. Dis-nous, où est-ce qu'on peut te retrouver? Parce que tu fais du streetcast, tu as des blogs, tu as des projets aussi pour expliquer un peu WordPress à tout le monde. Voilà. Alors j'ai un projet qui s'appelle wp2.ch où je fais des tutos WordPress. Où j'ai pas beaucoup d'avance, mais j'espère pouvoir m'y consacrer bientôt. Sur internet, on me retrouve sous le nom de Cyclic avec un 6, 6 C-L-I-C-K-S. Là, vous me retrouvez sur Twitter, sur Facebook, tout ça. Et puis, en streetcast, mon streetcast s'appelle Join Me. I-J-O-H-N-M-E, Join Me. Bon, et ben parfait. Je mettrai tous les liens dans les notes de l'émission. Je te remercie beaucoup pour le temps passé. C'était un plaisir. J'ai appris plein de choses, des nouveaux plugins. Oui. Je pense qu'on a fait un bon tour sur le WordPress actuel et le futur. Tous les plugins, ça bouge. Bon, je pense qu'il faudrait se revoir de temps en temps de façon, hein, parce que c'est un point... qui va bouger très 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 souvent, ça évolue à toute vitesse. Ouais, elle veut parler dans le micro, mais bon, elle a 4 mois, donc ça va être un peu compliqué. Donc moi, je vous dis à très bientôt. Je te remercie encore une fois pour le temps, pour toutes ces informations là, et je vous dis à tous à très bientôt. Je vous mets toutes les notes de l'émission sur mon blog, qui est en WordPress, hein, bien sûr. Même si j'ai essayé de faire une infidélité, je suis parti chez Ghost et compagnie, j'y suis vite revenu, et que j'ai un WooCommerce et tout, donc de toute façon, j'ai le bordel complet, et j'ai passé, environ, je passe 4 heures par jour dans WordPress, hein, actuellement, voilà, pour l'anecdote. Donc, c'est vraiment, vraiment mon outil de travail. Allez, je vous remercie tous, ben, pour le temps, pour l'écoute, etc. On se retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, non, Facebook, non, si. Tu es encore sur Facebook, toi, John? Ouais, moi j'y suis. Mais c'est plus, c'est pour gérer plutôt les comptes, les pages des clients. Voilà. Bon, voilà. Ben moi à peu près pareil. J'en reparlerai. Je ferai un épisode spécial sur. J'ai déjà fait un épisode spécial sur faut-il rester sur Facebook. Et je pense que on va pouvoir en reparler parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces du côté de Facebook. Donc il y a encore des nouveaux trucs qui arrivent. Voilà. Je vous dis à tous à très bientôt. Et j'aurai d'ailleurs demain, j'enregistre un nouvel épisode avec un autre invité, un autre streetcaster, mais j'en dis pas plus, voilà. Et je vous dis donc à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Salut.